Match de bas de tableau, Capital en 36, 16e et Dijon 17e. 3 points d'écart seulement entre les deux formations. Annecy est le premier non relégable, Dijon le premier relégable. Ça s'annonce très chaud. Annecy n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs alors que Dijon s'est relancé avec 2 victoires et 2 nuls sur les 4 dernières rencontres. La dynamique est plutôt bourguignonne. Dijon se déplace sans Thune suspendu mais avec Soumaré, Tchaouna et Silva. Annecy de son côté peut compter sur Testu, Saïdion et Chamal. Les Annéciens dominent le début du match. Une première attaque suivie d'une deuxième avec le tir de Moïse Saïdion sauvé par le gardien de Dijon, Baptiste René. Bon sauvetage de René. Dijon a résisté aux premiers assauts adverses et passe à son tour à l'attaque. Avec un tir de loin, bien sauvé par Escalès. Superbe parade du gardien d'Annecy. Très jolie tentative dijonnaise. Mais Joly ne parvient pas à marquer. Le score est donc de 0 à 0 à la mi-temps. Il y a eu un petit souci à la 37e minute pour Annecy. De Moncy a remplacé Cachy. La rencontre est comme prévu très équilibrée. Et en seconde période, l'une des deux formations va devoir insister pour faire la différence. Pascal Dupraz voit ses joueurs bien revenir du vestiaire avec ce tir juste à côté. Une bonne tentative pour Brian Soumaré. Le chronomètre tourne et personne ne parvient à marquer un but qui ferait une énorme différence en vue du maintien. Jusqu'à cette action, à la 86e minute, Annecy marque le but du 1-0. Alexis Bozetti est placé au deuxième poteau pour marquer ce but d'une extrême importance. Le 5e but de la saison pour Alexis Bozetti. L'un des artisans de la montée d'Annecy veut être également l'artisan du maintien. Et ce but peut y contribuer. Ballon dévié par Pajot. Et Bozetti surgit quand il faut et où il faut. Quelques minutes encore à jouer. Annecy se dirige vers une victoire précieuse qui permettrait d'avoir 6 points d'avance sur son adversaire du jour. Mais Dijon a réussi ces derniers temps à se forger un peu plus de mental, de caractère. Les Bourguignons y croient. Et dans la foulée du but encaissé, réussissent avec ce tir superbe à égaliser. Brian Soumaré avait tenté un petit peu plus tôt sa chance sans cadrer. Cette fois-ci, c'est bien dedans. Le 6e but de la saison pour Brian Soumaré. 2 minutes après le but de Bozetti. Un partout à la 88e minute. La frappe superbe de Soumaré permet à Dijon d'obtenir un point très précieux. Car plus personne ensuite ne parvient à marquer de but supplémentaire. Et statu quo entre les deux équipes qui conservent les 3 points d'écart. Un but partout au final entre Annecy et Dijon.